Quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre. Je te dis que... Mais quand quelqu'un est riche, c'est que, oh, femme là. Hey! Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux problèmes. Wow, venez. Venez. Quand je commence une vidéo en riant comme ça, il faut comprendre que c'est trop comique. En fait, c'est l'histoire de... Où c'est celle qui croit le diamant là. Qui... qui me finit seulement. Elle est tellement clashée maintenant par les artistes, c'est ce qui me surprend. Par certains influenceurs. Oh, ceux qui viennent dire que l'unique, l'UDM, l'unité de mesure, c'est Muriel Blanche. On va revenir. Pendant que d'autres disent que oh, elle n'a rien. Voici un artiste, Caprel Nandji, qui sort aussi ce matin sur TikTok. Il commence à clasher la diamantée. Elle n'a même pas encore dépensé 5 millions. Vous bavardez. Elle a quoi? Et elle peut me donner quoi? J'étais à Dubaï. J'étais au Qatar. Je suis rentré avec beaucoup de millions. Rappelons que l'artiste qui chante donc, le gars a acheté une voiture de 30 millions dernièrement. Alors, il revient donc clasher la diamantée. Il dit qu'il est rentré beaucoup de millions. Mais vous savez ce qui me fait rire dans sa sortie, c'est que les gars ont souvent certaines pensées, mais ils gardent. Ils attendent le moment venu pour verser. Le gars commence donc à clasher Malox. Donc, il a lancé sur son chantier. Mais il n'a pas commencé par la fondation. Il commence par la piscine. Parce que Malox veut le montrer qu'il a une maison avec piscine. Alors, les artistes, hein? C'est la magie. Pendant que les autres bagarrent là-bas, que boycottent. Non, les autres sont plutôt... Le pays, si. Non, c'est pas un pays. Le continent, si. Oh, bof. C'est la magie, mon frère. C'est la magie. Donc, le gars finit par dire, il a lancé, il est enchanté. Ils ont fait pas un mois comme il a acheté une voiture, on dit une Lexus, ou c'est de 30 millions. Il est enchanté, mais il commence par la piscine. Ah, bof. Il est rentré de Dubaï, il est rentré de la Coupe du Monde avec beaucoup d'argent. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Les Camerounais, que Dieu vous garde. J'ai dit que c'est très grave, les gars. De l'autre côté, Malox, à son tour, demande au public la diamantaire, la croqueuse. Dit qu'elle va venir partager l'argent au poivrement. On fait comment? Les gars, répondez à Malox. On fait comment? Quoi? Ça, c'est quel pays? Oh! Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends. La croqueuse du diamant, ou c'est la diamantée à son tour. Les gars disent que c'est le bluff. En fait, elle a été financée pour distraire l'affaire Martinez. Vous savez que quand quelque chose vient nous retrouver sur Facebook, chacun dit sa part. On ne sait pas si ceux-là ont aussi raison. D'autres viennent dire que elle dépense l'argent comme ça pour avoir les abonnés, pour se faire voir. Elle a impacté presque tout le monde. En réalité, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a jamais vu quelqu'un sortir de nulle part commencer à partager l'argent comme ça. Mais, mon inquiétude, il ne faudrait pas que son buzz devienne le buzz des tranches d'Adana, le buzz des 50 dollars. Qui a connu 50 dollars à son époque? 50 dollars par ci. Bien créé aussi son goût, hein. On n'entend plus parler. Et les tranches de Dana, mon frère, qui n'a pas... Je vais citer quel buzz et quel buzz. Je vais... Parce que le tout n'est pas de faire le buzz. Elle est diamantée. Le tout n'est pas de faire... C'est de se maintenir. Beaucoup qui viennent s'abonner, les gars veulent les dos. Comme on entend que tu partages les dos, tu partages qu'à minuit, machin, truc, tout ça. Entre-temps... Celui de Caprel Nandji vient nous dire que oh, les histoires que vous racontez, qu'elle allait partager 1 million sur quand Fadi le sorcier chantait, machin, tout ça. Ou bien il allait partager, il a donné, faroter 1 million à cause, c'est faux. On est seulement dit que, hey, c'est la guerre entre les artistes, hein? On est seulement derrière. On dit que quand les éléphants bagarrent, les arbres ou bien les herbes se couchent seulement que, et tara. De l'autre côté, Olé Kopo et les Lady Ponceau
et les Vassero et les où c'est les c'est grave. Boycott est monté, boycott est descendu. Honnêtement, on dit que oui, le 237, ça brûle dans tous les sens. Ça brûle dans tous les sens. La diamantée, tu serais tombé comme une bière si tu ne maintiens pas. Est-ce que tu vas partager l'argent comme ça, même pendant 5 ans? Parce que depuis nous, on est sur les réseaux sociaux comme ça depuis 3 ans. Hein, et on maintient. Alors, tout n'est pas devenu fait. Tu fais le boucan parce que vois, tu fais déjà les sorties. Que, oh, ceux qui pensent que oh, je vais finir, je vais partager l'argent jusqu'à la gare. Et pourquoi on enquête toujours sur ceux qui sont riches? On n'a jamais enquêté sur les pauvres. En tout cas, je suis Franco le mignon, le pauvre. En côté, enquêter autant pour moi sur l'origine de ma pauvreté. Comme un milliardaire a dit là-bas, voilà que. Oh, je suis terrible. Je fais souffrir les gens. Le gars m'a répondu, mais en parabole. Sans que le gars compris que Franco, le gars là a touché les lignes. Où c'est les lignes? On passé de l'autre côté, on parle des lignes 94. Là-bas, c'est les lignes quoi? Les lignes 120, les lignes 500. Vous êtes trop forts, les gars. En vrai? Maintenant, je vais chuter avec ceux qui réclament 5 minutes de riz et tout le reste. Oui, c'est vrai, je ne fais plus trop 5 minutes de rire. Vous n'êtes pas considéré que c'est devenu un concept de tout le monde, mon frère. Tout le monde fait les collages et vidéos maintenant. C'est devenu un peu du n'importe quoi. On observe un peu d'abord, on regarde. Mais sinon, bientôt je reprends avec. Et ceux qui disent que, Franco, l'inspiration est finie. Quand vous regardez la tête-ci, l'inspiration peut finir comme ça, les gars. C'est quand vous pensez que c'est fini, là. Depuis 3 ans, le gars là, chaque jour on dit l'inspiration, le gars sort toujours avec d'autres cartes, genre des nouveaux dossiers chaque matin. Ça peut finir comme ça. Dès qu'il recommence là, il faut trouver des bonnes stratégies maintenant pour coller. Parce que tout le monde colle les vidéos, ça part dans tous les sens. Il faut un peu laisser le temps, on observe. Hmm? Ok. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Hein? Hmm? Si tu es ancien, tu connais encore. Partage la vidéo. C'est ça qui nous retient au pays. Ou bien. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.